Le couvert forestier ivoirien a été vraiment détruit. Et nous ressentons aujourd'hui les effets de cette destruction. Nous ressentons aujourd'hui les conséquences de cette destruction. Et il est vraiment impérieux pour tous les Ivoiriens, et en particulier tous les acteurs de la protection de l'environnement, tous les acteurs de la gestion durable des forêts, de s'impliquer dans la reconstitution du couvert forestier ivoirien. Le premier sujet de tech qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, l'exploitation se faisait autour de 30 à 40 ans. Mais mm-hmm. avec la recherche forestière, mm-hmm. avec les travaux de recherche qui ont été effectués sur l'espèce, nous sommes arrivés à ramener cet âge-là à 15 ans, 20 ans. Donc à partir de 15 ans, 20 ans, le tech peut être exploité. Sore forti ni mamwe dirika mfa yungla be sukuru mfa yue mfa tani soa don mkemba enini amu e ayo akamba e yueyo ke ba yute e gra seze ke e gra lika ke e sue ba yuku Ça, c'est un peu compliqué à trier. On peut faire au moins 5 sacs parce que c'est pas facile. Pour avoir 1 kg de ce produit-là, c'est pas facile. Bon, si c'est le tech, il faut broyer puis il faut varier. Bon, on peut faire au moins 7 à 8 sacs par jour. Et un premier tri est fait par les dames dehors. À partir du tri que les dames ont fait dehors, il y a un échantillon qu'on fait qui va nous servir au niveau de notre laboratoire. C'est ce que nous appelons ici notre échantillon labo. C'est à partir de cet échantillon labo que toutes les autres analyses suivront.
Imaginez une Côte d'Ivoire sans forêt, ce serait une Côte d'Ivoire sans cacao. Vous voyez un peu la catastrophe pour nos parents, pour nos paysans. Donc il urge que des choix de développement courageux puissent être faits pour le bien donc, de l'écologie et de notre économie.